Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita, tant de nouvelles ça qui entre la caille au moins c'est matin fou, quel que soit votre branché. Nous disons bienvenue sur le canal d'information sans poste côté. Je vous dis à la présenter une édition spéciale qui a consacré avec de l'eau véhicule flambant neuf. Eh bien, directeur général, la police a recevoir dans le même premier ministre Ariel Henry qui a fait cérémonie ça, journée jeudi, dans la direction général la police là, donc 16 véhicules pour combattre question insécurité. Donc semblait autorité au gagner et montrer commencer montrer volonté là pour être capable de combattre question gang armée qui envahit pays d'Haïti. Donc le premier ministre Ariel Henry qui est intervenu dans le cadre de la cérémonie ça il fait connaître, eh bien c'est lui acheter donc véhicule ça, ça c'est commencement pour montrer la police là la police a moyen pour le travail et annoncé gagner l'autre gros mézi qui apprend pour la police là moyen qui est efficace pour le travail. C'était le moment tout pour le premier ministre parler de l'élection que il va le faire, il a besoin de sécurité pour faire élection pour le remettre de pays à la monde qui est élu pour diriger. Directeur général la police la France LB sous Bopal qui te prend la parole tout, eh bien il fait qu'on est bien véhicule ça yo, donc pour permettre la police nationale d'Haïti plus efficace dans le cadre de travail sécurité la fait dans le pays d'Haïti. Donc amis téléspectateurs, amis internautes, à inviter pour te yon après l'autre discours directeur d'abord et premier ministre Ariel Henry avec le directeur général la police là dans le cadre de la cérémonie ça et spéciale qui était faite pour remettre 16 véhicules tout terrain flambant neuf par et bien direction générale la police là pour capable équiper policiers pour capable prendre contrôle question insécurité dans le pays d'Haïti. La question de la sécurité constitue une préoccupation de l'ensemble de la population et une priorité pour le gouvernement. Malgré les efforts quotidiens de nos policières et de nos policiers, nos concitoyens attendent encore plus de nous pour garantir leur sécurité et pour leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennes partout sur le territoire sans avoir à craindre pour leur vie. Ceci est une revendication légitime et c'est la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger d'assurer la protection des vies et des biens de tous les citoyens. Les bandits, les hors-la-loi, ne peuvent pas continuer à défier l'autorité de l'État et à terroriser les paisibles citoyens. La situation économique de notre pays s'est dégradée considérablement et l'insécurité en est l'une des causes principales. Malgré la précarité de nos ressources budgétaires, il nous incombe de dégager les moyens qu'il faut pour équiper les hommes et les femmes qui ont choisi de s'engager dans la police nationale et de mettre leur vie en danger pour préserver la nôtre. Je veux aujourd'hui demander à vous tous ici présents d'applaudir celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect. Ils méritent aussi que nous fassions les sacrifices qui s'imposent pour leur fournir les équipements dont ils ont besoin pour accomplir leurs devoirs. J'ai tenu à venir en personne participer à cette cérémonie de remise de matériel roulant à la Direction générale de la Police nationale. Ce faisant, je veux signifier clairement à tous ceux qui seraient tentés d'en douter que mon gouvernement est déterminé à combattre
l'insécurité et les gangs. C'est avec nos mêmes ressources que nous commençons aujourd'hui à donner ces 16 véhicules tout-terrain à la PNH qui en a grand besoin. Et je peux vous assurer que ceci n'est que le commencement. Nous allons, dans les jours et les semaines qui viennent, poursuivre cet effort et à donner à la PNH d'autres équipements adaptés à la lutte sans merci que nous leur demandons d'engager contre les gangs. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je veux saisir aussi cette occasion pour dire à ceux que le comportement des gangs, leurs crimes et les kidnappings exaspèrent et qui sont tentés de constituer des forces paramilitaires, que même si je peux comprendre leur colère, le monopole de la violence légitime est du ressort de l'État. Je comprends l'impatience des uns et des autres. Moi aussi, je suis impatient de voir le problème de l'insécurité résolu. C'est un passage obligé pour réussir ce qui est la mission principale de mon gouvernement, qui est de remettre le pouvoir dans les meilleurs délais à des élus choisis par la majorité du peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, impartiales et démocratiques. Il nous faut un environnement approprié pour que les candidats puissent aller faire campagne dans tous les coins du pays sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants et de leurs sympathisants. C'est notre objectif, c'est notre devoir. Nous miser en route, mais nous venons pour nous porter bonne nouvelle. Nous avons en pile de difficultés pour nous joindre moyens avec une formation spéciale pour les policiers qui ont contré les coronaux et les bandits. Heureusement, nous joignons et la formation a commencé. Maintenant, les peuples haïtiens, continuez à faire nous confiance. Malgré ça, mon abdi, nous avons fait la police nous en confiance. Il y a des gens là-dedans qui sont déterminés, qui prennent un risque et qui paraît pour continuer à prendre un risque pour résoudre le problème. Dans la tête ensemble, nous avons essayé de jouer ça. Nous savons pouvoir compter sur nos forces de police et les moyens que nous leur donnons aujourd'hui pour qu'ils puissent avoir de l'aide à bâtir cet environnement sûr et stable dont nous avons tant besoin. Nous avons en même temps besoin du support de toute la population. Et c'est de cet esprit que j'ai constitué avec des représentants des signataires d'une pétition récente un espace de rencontre et de dialogue pour partager des idées et des propositions en matière de lutte contre l'insécurité. Nous avons remporté plusieurs victoires en travaillant la main dans la main avec le secteur privé pour faciliter la livraison du carburant et pour protéger les affaires des opérateurs du bord de mer. Nous sommes en conversation avec ceux de Martissant dans la même perspective. Nous pouvons remporter d'autres victoires en unissant nos forces, État, secteur privé, société civile. Situation que nous vivons là, mène nous toutes en union, l'union qui était faite autrefois force. Nous ne pouvons pas suspendre, répéter. Pas de place pendant la période intérimaire ça pour division
pour yin-hang, pour rancœur, pour nous battre l'un à l'autre, pour nous battre entre frères. Nous toutes, nous avons pour obligation de faire tout ça nous capable pour nous remettre la démocratie, l'état de droit et institutionnel sous braille. Nous entendons nous déjà à commandant la police là pour machine ça yo que n'a pas jodien y'a servi pour nous assurer une plus grosse présence la police dans la rue et dans le quartier. Je recommande à la PNH de bien les entretenir et de faire un bon usage des équipements que nous venons d'acquérir au prix de lourds sacrifices en vue de mettre en application les plans qu'ils ont élaborés. Messieurs les policiers, le pays a besoin de vous. Le pays compte sur vous. En cette période pascale, que Dieu jette un regard favorable sur notre cher Haïti et sur chacun de vous. Je suis heureux de vous accueillir cet après-midi dans les locaux de la Direction Générale. À l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien de 16 véhicules à la Police Nationale d'Haïti. Ce geste, tant apprécié par le gouvernement, exprime la volonté indéfectible des autorités haïtiennes à accompagner la police nationale dans sa mission constitutionnelle de garantir l'ordre public. Dans sa mission constitutionnelle de garantir la sécurité intérieure de l'État par la protection des vies et des biens de la population haïtienne et de toute autre personne se trouvant sur le territoire national. Depuis un certain temps, cette responsabilité essentielle s'affronte à des difficultés majeures liées à un manque d'équipement et de matériel adéquat devant aider nos vaillants policiers qui se livrent jour et nuit à une lutte acharnée pour ramener la paix et la sécurité dans notre société, à être beaucoup plus efficaces, plus performants dans l'accomplissement de leurs devoirs. C'est donc l'occasion pour moi de saluer leurs efforts, de leur renouveler ma confiance et les encourager à rester dans la voie de l'engagement, du devoir, de l'esprit de sacrifice et de service. C'est par cette attitude que nous arriverons à faire un usage efficient et efficace des moyens mis à la disposition de la PNH et à démontrer au gouvernement et à la population tout entière que nous saisissons le sens de ces efforts. En effet, l'arrivée de ces véhicules inaugure la mise en branle d'une série d'actions du gouvernement visant à renforcer les capacités opérationnelles de